Bienvenue, chère divinité, à l'émission spéciale. Centième, c'est la centième émission officielle hors matrice déjà. C'est incroyable, ça a passé vraiment vite. Sans épisode, plus des extras, révélations, les flash vidéo, puis quoi d'autre encore. Franchement, ça a passé si vite, et voilà la centième déjà officielle dehors matrice. C'est wow, déjà. J'ai beaucoup de plaisir, je vais avoir encore beaucoup de plaisir. Ça a passé si vite. C'est vrai qu'on a fait du chemin ensemble. On célèbre en même temps 700 abonnés. C'est tout en même temps aussi, c'est incroyable, un bel addon que je mentionne. Franchement, je me suis fait plaisir. J'ai mélangé qu'est-ce que j'aime avec ma divinité. J'ai fait un montage vidéo spécial que je vais vous présenter avec des apports de photos, de textes rajoutés au bon moment. Des fois même, j'y vais d'un petit effet spéciaux pour quand on parle d'électricité ou quoi que ce soit. Je me suis mis pas un petit challenge, mais je me suis dit pour une centième, je vais faire quelque chose qui est le fun, qui est agréablement magique, tout en les deux. On célèbre ce qu'on est et je crois que vous allez apprécier. J'ai eu beaucoup de plaisir et c'était un petit peu plus de travail, aller chercher les extraits, les photos, le montage, les textes rajoutés. En tout cas, je suis novice, vous le savez, mais c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Et en cette soirée, je dois vous mentionner que j'ai terminé ça hier à minuit. Là, j'étais content, j'ai donné un dernier boom. J'ai pu finir le montage et il me restait seulement à vous le présenter. J'ai même, c'est sur un petit intro différent, une fête éternelle maintenant, permanente, avec vous, que je propage sur cette chaîne. C'est enfin, tout simplement. Et c'est un bonheur avec... 700 abonnés de célébrer cette centième épisode avec vous. Bref, je vais vous laisser, je vais laisser place à ce, ma foi, superbe montage divin. À vous de voir. Et c'est ma façon à moi de me faire plaisir. Vous allez voir que j'ai bonifié, j'ai mis... tout mon cœur, mon temps, c'est sûr, mais le bonheur a paru à chaque instant que j'ai travaillé ce montage et à chaque instant que je vous le présente en ce moment, là, ce bonheur se poursuit et j'espère qu'il sera présent avec vous, cet amour et ce bonheur tout le long de ce visionnement et permanent en vous après. C'est ça le but, hein. Ah, moi, je suis en joie, centième, franchement. Wow. Et dans ce lâcher prise, dans cette grande fatigue en ce moment, je vous l'accorde, mais pas grave, je suis au-dessus de ça. C'est ça. L'énergie vient combler la fatigue, là, puis ah, je suis content là, de vous le présenter. Bref, voilà mon cadeau pour moi. Et pour vous, tout simplement. Alors, bonne écoute, bon centième épisode sur Hors Matrice et dans ce bonheur et cette extase de joie en ce moment, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la centième prochaine. Et c'est extraordinaire, je vous remercie. Merci de vous permettre. Nous y sommes. Alors,
Vivons-le ensemble et bonne écoute. À la prochaine. Au revoir. À travers la dynamique des événements de votre vie, à travers la scène que vous jouent les guignols de la confrontation finale de la dernière bataille, tout cela est une mise en scène et n'est qu'une mise en scène. C'est un scénario qui s'accomplit, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu parce que le temps n'existe pas. C'est le moment, comme disait Faham, où le dernier rêve, ce qui devait être, ce qui était nommé par Bernard de Montréal, la dernière race racine, la race bleue, n'est rien d'autre que le retour à la racine du premier rêve, et donc à l'intégration du temps zéro en l'alpha et l'oméga. L'univers s'est déployé, la création s'est déployée dans les univers et dans les multivers. La résultante est ce qu'il se passe sur Terre, ce drame cosmique de l'opposition entre le bien et le mal, entre les administrateurs des mondes et les mères généticiennes, que chacun d'entre nous avons porté, supporté et accompagné depuis des éons, trouve aujourd'hui son solutionnement. Tout a toujours été parfait. Ce ne fut qu'un rêve. Ce ne fut qu'un cauchemar. Ce ne fut que quelque chose qui a donné l'illusion du temps, l'illusion de l'espace, l'illusion des mondes. L'illusion de la création. Et vous êtes aujourd'hui tous, quoi que vous en disiez, au niveau des âmes humaines, sur le point de le vivre, si ce n'est déjà fait. Peu importe les moyens, encore une fois, je dirais que peu importe la joie ou la souffrance, parce qu'ils vous conduisent au silence de la vérité. Et vous n'avez pas besoin d'être en silence, même si vous constatez que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, aspirent à de plus en plus de simplicité et de plus en plus de silence, en quelque sorte comme un retrait de cette agitation morbide du jeu de l'apparence, c'est-à-dire du jeu de l'ego, ou encore du jeu de l'évolution, ou encore des méchants garçons, ou des dieux, ou de tous ces dieux qui ne sont rien d'autre que des inventions, parce que vous êtes tous ces dieux, mais que vous êtes surtout antérieurs à tout dieu. Voilà ce qui se joue. Voilà, au-delà des apparences, la liberté n'a pas besoin de mots ni de discours, vous le savez. Aucun mot ne peut le traduire. Mais c'est le moment où vous n'êtes plus dupe ni d'aucune pensée, ni d'aucun scénario, ni d'aucun affect, ni d'aucune forme, ni de la vôtre, ni celui de votre père, ni celui de votre amour, ni celui de votre enfant. Vous avez mis fin par le souvenir à la séparation ou au mythe de la séparation, ou comme disait notre cher Bidi, est au mythe de l'individualité. Bien sûr, à ce moment-là, votre vie humaine continue, mais vous savez la vérité, et vous savez que vous allez le vivre, même si vous traversez quelque chose de très dur, et que ce quelque chose de très dur, ou de très joyeux d'ailleurs, n'a que pour vocation à vous stabiliser réellement et concrètement dans l'accueil, dans l'acceptation et surtout dans le silence. Parce que la vérité, au niveau aujourd'hui, si on peut dire, parce que ce n'est pas un niveau, mais au niveau de la totalité du réel qui est accessible, il n'y a plus de place pour les mots, il n'y a plus de place pour les vibrations, il n'y a plus de place pour les visions. Comme disaient beaucoup, il y a uniquement la place pour ce qui est au sein de l'instant présent. Comme disait Anaël, hic et nunc, ici et maintenant, parce qu'il n'y a nulle part ailleurs
que l'ici et maintenant, et que tout se résout pour chacun de vous dans cet ici et ce maintenant. Si vous ne le voyez pas encore, si cela vous semble atrocement opposé à cela, eh bien dites-vous que vous en êtes très proche, parce que c'est le moment où vous capitulez. C'est le moment où vous acceptez par les circonstances de votre corps, de votre vie sociale, mais aussi sur la scène collective. C'est le moment où vous savez que tout cela ne veut plus rien dire et que la seule chose qui veuille dire encore quelque chose, c'est le réel et le silence que vous êtes. Alors bien sûr, il y aura des moments agapés, malgré le chaos du monde, des moments de silence malgré le bruit du monde, malgré effectivement des choses que, même de mon temps, j'aurais pu qualifier de horribles, puisque effectivement, vous le savez pour beaucoup et sans doute, ce qui se déroule en ce moment est le plus grand génocide de l'histoire de la création. Mais le génocide, finalement, qu'est-ce que c'est d'autre que la libération de l'âme, puisque l'âme est détruite? Qu'est-ce que c'est d'autre que de finir dans une explosion solaire? Qu'est-ce que c'est d'autre que de finir brûlé par le rayonnement du flash galactique? La finalité est exactement la même. Et seul l'ego, seule la conscience, peut encore, tel que je vous l'ai expliqué, trouver un événement magnifique ou un événement horrifique. Mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est juste des moyens. Et même si ces moyens vous semblent injustes, vous semblent terribles, vous semblent anti-vie, posez-vous la question de savoir ce qu'est la vraie vie. La vraie vie n'a rien à voir avec la forme, n'a rien à voir avec les mondes et les dimensions. Et ça, vous l'avez vécu pour beaucoup d'entre vous. Bidi vous l'a expliqué longuement. Vous avez eu pour beaucoup, durant des années, des transmissions, des vibrations, la montée de l'onde de vie, l'activation des lemniscates sacrés, des portes, des étoiles, des chakras, des nouveaux corps, de la supraconscience. Mais tout ça n'est que de l'apparence. Mais il fallait bien, quelque part, qu'il y ait une forme de cohérence dans l'histoire. Ça, nous l'avions expliqué longuement. Mais aujourd'hui, pour chacun de nous, c'est la fin du rêve, de l'histoire, du mythe de la création. C'est l'accession à la vérité. Ce n'est ni une ascension, ni une descension, ni une montée vibratoire. C'est le temps zéro. C'est l'instant du silence. C'est le moment où le Christ se révèle en totalité, principe christique. Point zéro de l'équilibre entre le positif et le négatif. C'est le double tort du cœur. C'est Shantini Laya. C'est ce que Ma Ananda Moyi vous a expliqué et durant de très nombreuses heures, il me semble. Et vous êtes maintenant à l'ultime résistance des mondes de la forme et de l'habitude. Et que bien évidemment, le tableau qui est à vivre et qui est retrouvé, je dirais, dans toutes les anciennes religions, mais aussi chez nombre de prophètes, qui n'étaient pas des prophètes de malheur, mais qui attiraient simplement votre attention sur ce qui allait se produire. Mais au-delà de tous les rêves de ceux qui se voient dans une nouvelle terre, sous de nouveaux cieux, ou dans une nouvelle dimension, c'est surtout la fin du rêve et la fin de l'illusion du temps, de l'espace et de la séparation. Rappelez-vous que dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, et j'interviendrai certainement et peu de temps après le solstice d'été, parce que beaucoup de choses seront transformées d'ici là par l'action des sociétés humaines qui jouent encore et aux petits soldats et à la guerre, en pensant qu'il y a quelque chose à conquérir et vaincre le mal, ou vaincre je ne sais quoi, alors qu'en définitive vous n'avez rien à vaincre.
Mais c'est ainsi qu'est le jeu. Et vous allez le comprendre avec de plus en plus d'acuité. Vous allez le comprendre parce que vous allez le vivre. Vous allez le comprendre parce que ça va vous affecter. Vous allez le comprendre parce que vous n'aurez pas d'autre solution que de rentrer au plus intime de vous-même, c'est-à-dire au plus intime du cœur, dans le silence, parce qu'il n'y a pas besoin de mots, et parce que vouloir vomir de ce qui est vu et compris, ou vouloir encore le regarder, n'est destiné qu'à vous saturer et à vous dégoûter de tout ce qui n'est pas ce qui est au cœur de votre cœur. Parce que rien n'est plus important. Et que chaque événement et chaque jour qui va passer dorénavant va vous conduire de plus en plus sûrement vers ce chat de l'aiguille, vers ce point de passage qui avait été illustré à l'époque, je vous le rappelle, par le retournement de la conscience de l'âme à l'esprit, c'est-à-dire le passage de la porte étroite, celui de la naissance du Christ, et surtout de l'accouchement de la vérité par l'intermédiaire de ce qui avait été nommé à l'époque, je vous le rappelle, est le chakra du verbe créateur au niveau du 11e corps, mais aussi de la communication avec le divin. Tout ça a été des arguments à vibrer, à intégrer. Aujourd'hui, ce que vous avez intégré, ce que vous avez peut-être encore à intégrer, c'est que, après ça, derrière tout cela, il n'y a que la vérité. Et la vérité n'est sans mots. Et c'est le silence. C'est cet amour indicible que même une résonance agapée ne peut plus manifester. C'est l'évidence du silence. C'est l'évidence de ce qui arrive à ce système solaire et à l'ensemble de la création qui se précipite en quelque sorte au niveau de la Terre. Que cela soit par la flèche du Sagittaire, qui maintenant, vous le savez, est annoncé dans vos médias, et que ce soit la visibilité du complexe des Nibiru et des étoiles mortes, que ce soit par les bombes nucléaires, que ce soit par les privations, ou que ce soit par la découverte d'un amour dans votre vie, peu importe. La finalité est la même. Et c'est quand vous acceptez cela que vous découvrez que dans les oppressions actuelles, peut-être de votre vie, de votre âge, ou simplement de la société, que vous êtes libre. C'est à cette révolution silencieuse que l'intelligence de la lumière dans ce joli mois de mai jusqu'au solstice d'été va vous conduire à tous les niveaux de vos vies. En vous parlant de quelque chose qui aura lieu demain, ou qui voudrait planifier quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ça vous semble vous troubler, et c'est troublant, parce que dans l'instant présent, tout arrive tout seul, même les rendez-vous. Même ce qui est programmé n'est plus programmé par vous, mais par l'intelligence de la lumière. Et cela, si vous êtes attentif, c'est-à-dire, de toute façon, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous réfugier dans le témoin, l'observateur, pour échapper à la souffrance de l'acteur, quelle qu'elle soit. Hein. Et donc, c'est à ce moment-là que vous êtes dans la liberté. C'est à ce moment-là que vous êtes dans le réel ou dans le vrai, ou dans la nudité, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est là que vous vous découvrez. C'est là que est l'indicible paix. Et quand vous vivez cette indicible paix, même en un éclair, vous savez que c'est vrai, comme Agapé. Vous savez qu'il ne peut pas en être autrement. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se faire jour en vous. Peut-être pas la tranquillité. Peut-être pas la levée de toutes les peurs ou d'inquiétudes légitimes, mais vraiment un sentiment d'irréalité de l'acteur. C'est quelque chose qui peut être très subtil ou très violent, mais ça veut dire qu'à un moment donné, si ce n'est déjà fait, vous ne serez plus dupe de votre personnage, de votre rôle, de votre fonction, de votre âge, ou de vos affections. Vous les verrez pour ce qu'elles sont. Il n'est pas question de les renier. Il n'est pas question
encore une fois, et de s'isoler et de tout ça. Mais vous le verrez pour ce que c'est. Et là aussi, ça procure une grande paix. Et là aussi, ça vient renforcer naturellement l'état de silence, d'acceptation et, comme nous l'avons dit, d'accueil. Bien sûr, et je vous l'ai laissé entendre déjà depuis le début de cette année, les manifestations, qu'elles soient subtiles, invisibles, qu'elles soient médicales, qu'elles soient liées au climat, aux groupes sociaux, au cosmos, aux planètes, vont apparaître de manière de plus en plus évidente. Et tout ça va percuter, là aussi, votre sentiment de stabilité au sein de la matrice, au sein de l'IRR. Cette déstabilisation est destinée à vous faire trouver le vrai centre de vous-même et non pas à vous déstabiliser, mais réellement à mettre fin à l'adhésion, à se croire une personne ou à se croire une conscience qui doit évoluer ou se débarrasser de quelque chose. Les moments que nous vivons déjà depuis la fin de l'anomalie primaire, je vous rappelle quand même que cela fait maintenant la quatrième année. Tout cela a été un accomplissement du scénario de la lumière elle-même, un accomplissement de l'alpha et de l'oméga, mais aussi le retour à l'instant initial qui n'est rien d'autre que l'instant final. Parce que tous les autres instants se sont déployés au même instant. Et il en est de même pour toutes les dimensions, puisque le temps est une invention, comme l'espace. Ni temps ni espace est pourtant la totalité des temps et de l'espace. Mais dans cet état de silence-là, vous n'avez plus besoin, comme je suis peut-être en train de le faire, de concepts ou d'explications. Parce que le silence va se suffire de plus en plus à lui-même. Et que dans cet état de silence et d'acceptation, votre rayonnement de vérité, votre rayonnement de paix et de lumière pure adamantine va se révéler et se diffuser autour de vous. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de cette diffusion du cœur quand vous-même y êtes. Ça n'a pas besoin de mots. C'est quelque chose qui est, comme nous l'avons toujours dit, hautement contaminant et aussi qui a, de par le nombre de frères et de sœurs qui s'ouvrent, mais aussi de frères et de sœurs qui sont encore dans le scénario de la déchirure des illusions par la souffrance, aboutissent à la même liberté. Liberté de votre personnage, liberté de la conscience, liberté du jeu de la scène, pourtant dans laquelle vous êtes inséré. Et rappelez-vous que cela s'accompagne toujours d'une plus grande simplicité, d'une plus grande humilité et surtout d'une plus grande certitude intérieure, quelles que soient les incertitudes de votre vie personnelle ou les incertitudes même de ce monde. C'est comme cela que petit à petit ou brutalement, et chaque jour dorénavant, vous êtes de plus en plus lucide sur le spectacle du monde, bien sûr. Et je ne vais pas vous reparler encore des guignols avec la ribambelle de virus qui vous invente les uns derrière les autres. Je ne vous parle pas de l'illusion de la société, puisque la matrice est la société. Pas seulement sur vos écrans, pas seulement les images, comme disait Frère K en 2012. Mais l'ensemble de la société. Et la matrice. Et bien sûr, c'est à chacun de vous qu'il appartient encore un peu peut-être de composer, ou si je peux dire, de s'arranger avec cette matrice, tout en sachant que vous n'en faites plus partie. Parce que quand vous vivez le réel, en aucune manière, vous ne pouvez participer à l'entretien de cette matrice. Et aujourd'hui, cela peut aller très loin.
Jusqu'à présent, nous vous avions toujours dit que vous étiez là où vous étiez, mais aujourd'hui, si vous êtes là où vous êtes et que vous ne devez plus y être, l'intelligence de la lumière va tout faire pour casser cela. Que vous appeliez cela le destin, la malchance ou la chance, ne change rien à la réalité de ce qui se produit en beaucoup de vous aujourd'hui. C'est-à-dire des changements extrêmement rapides qui vous emportent au-delà de la compréhension. Des choses et des événements de nature brusque, je ne veux pas dire brutal, mais brusque, soudain, inopiné. Et vous allez le constater dans beaucoup de secteurs, dans votre vie personnelle, mais aussi dans la matrice elle-même. Ça fait des années que nous vous disions qu'il y avait des bugs, entre guillemets, dans la matrice. Ces déchirures de l'espace et du temps, celles-ci vont vous apparaître de plus en plus clairement. Quand nous vous avons dit que c'était une scène de théâtre ou un film ou un jeu vidéo, c'est exactement cela. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. La seule chose sérieuse, c'est le silence. Et la vie aujourd'hui, jusqu'au solstice d'été de cette année, va bousculer littéralement vos fondements de vie à tous les niveaux. Et je vous assure que quelle que soit la surprise, quel que soit le jugement qu'on peut avoir, comme quelque chose de pas agréable ou de très difficile à vivre, il y a la vérité. Tout dépend de vous. Vous savez très bien que tout se déroule en ce moment. Nous vous avons toujours dit que l'avance ou le recul apparent de Nibiru et des étoiles mortes était fonction des résistances rencontrées par la noosphère de l'ensemble de l'humanité et de l'ensemble de la conscience de Gaïa. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de recul possible, c'est-à-dire qu'à aucun moment, Nibiru ne peut donner l'impression de reculer. C'est une marche directe vers l'avant et qui va, bien sûr, vous le savez, nous en avons parlé très longuement, vers un ensemble d'événements cosmiques, planétaires, sociétaux et humains et qui concernent aussi, bien sûr, l'ensemble de la création. Et vous êtes à ce moment-là. Et vous y êtes en plein dedans. Et nous y sommes avec vous. Alors, je terminerai mon intervention par les mêmes mots. Simplement rechercher, si on peut dire, le silence. Mais ne le cherchez pas en allant vous isoler. Ce silence, il est au-dedans de vous. Et il y a juste à vous retourner au-dedans de vous, sans rien demander. En vous retournant au-dedans de vous, vous acceptez déjà ce qui est à l'extérieur, sans vous poser de questions. Et en acceptant, il y a l'accueil, et là il y a la grâce, du réel, le souvenir de qui vous êtes. Alors, quoi qu'il vous arrive, ou quoi qu'il ne vous arrive pas, la meilleure posture aujourd'hui est l'humilité, la simplicité, la voie de l'enfance, comme nous disions à l'époque, l'accueil, l'acceptation. Et tout cela dans le silence. Et la joie à ce moment-là, cette joie sans objet et sans sujet, c'est-à-dire sans personne, va gagner l'ensemble de la manifestation de votre vie. Et rappelez-vous que quand il y a un événement qui peut vous sembler dur à quelque niveau que ce soit, il y a toujours derrière cela, de façon imagée, une marche de plus qui est gravie, jusqu'à ce que vous compreniez que vous n'avez rien à gravir et que tout est déjà parfait. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est le scénario que vous êtes beaucoup à traverser durant ces 4 semaines, pour vous préparer au mieux à la suite du show que
comme on dit, le show cosmique, le show planétaire, et le show, bien sûr, des méchants garçons, des guignols, qui va vous apparaître comme des plus en plus sordides, mais aussi, quelque part, des plus en plus humoristiques, tellement c'est sordide. Les deux se rejoignent à un moment donné, et vous comprendrez à ce moment-là pourquoi. À ce moment-là, un événement qui arrive ne pourra plus être qualifié par votre bouche de bien ou de mal, de bon ou de mauvais. Il est, tout simplement. Et ce qui est, est. Et ce qui est, ne fait que passer. Ce n'est pas des jeux de mots, c'est la réalité de ce que votre être vit ou va vivre. Alors ne vous laissez pas embarquer par le show de la société, ni par les événements planétaires ou cosmiques. Ils sont là, c'est une certitude, je vous l'ai dit depuis de nombreux mois, ils vont prendre une allure de plus en plus apocalyptique, mais aussi pour vous, de plus en plus réelle au niveau du souvenir de qui vous êtes. Les deux vont ensemble, et ce n'est pas pour rien, parce que cela est l'intelligence suprême. Nous vous avons toujours dit que l'ombre travaillait pour la lumière, que les archontes, en définitive, les méchants garçons, travaillaient pour votre réveil, mais aussi le leur. Tout ça n'est qu'une immense plaisanterie. Et plus les semaines passent, et plus de là où nous sommes, nous les anciens et les étoiles, nous le vivons aussi de la même façon. C'est le moment non plus des noces, quelles qu'elles soient, célestes, cosmiques, planétaires, humaines. C'est bien plus que cela. C'est, je dirais, et ce mot vous apparaîtra comme une évidence dans quelques semaines, une grande réconciliation. Cette réconciliation, bien sûr, elle n'est pas avec le monde. Elle n'est pas avec le mari, l'enfant ou un membre de la famille. C'est la réconciliation avec vous-même. Voilà ce que j'avais à dire, chers amis, chers frères, chères sœurs. Ah non, j'étais prête. Pas prête, non. Non, mais que j'avais déjà une version de fait, puis que je te le cache, puis là tu te dis, ah ben non, là tu s'entends. Juste en slide, là, ben, ça fait deep. Oh oui. C'est les bloopers. Ça prend des bloopers. Ah, faut que tu mettes juste les meilleurs moments. Ben c'est ça, les bloopers, c'est les meilleurs moments. Ah, le beau, regarde les beaux malaises. C'est les bloopers, les meilleurs moments, non? Ah, c'est sûr, ouais. C'est le meilleur. Ben, pour ça, je te parle de beau malaise. Hein? Ah, ben oui. Il y a une place? Non, merci. Non, OK. Je suis invisible. Ah, oh, l'invisible, la chemise. C'est la chemise. C'est la prochaine fois, une belle chemise. Ah, oh, ça, c'est pas grave. Oh, t'as tout à fait raison. Tout à fait raison. Non. Ben, c'est bon. Fais juste... Comme ça, gars, c'est... je mettrai pas ça sur YouTube, là. Fais-toi en pas. C'est juste à te... Regarde, à parler dans le vide. Puis, regarde, qu'est-ce qu'ils font, eux autres, là? Ils oublient ça, ils se parlent, puis ils disent « Ah, shit! » Ah, puis, ah, c'est le fun, on continue. OK, lui, il oublie, mais il continue à jaser. That's it. C'est juste que, qu'est-ce que je te dis, toi, faut que je m'assume, dans le sens, c'est public. Tu sais, c'est ça, c'est pas... tout le monde. Et voilà, tu sais, puis c'est bon savoir qu'est-ce que la personne peut penser réellement aussi. Il y en a qui aiment moins des choses que d'autres, fait que ça... Ah, ben là, il y a du monde qui s'est désabonné aussi à Home Matrice, hein. Se faire dire que le yoga, c'est qu'une pause, puis des années, c'est ça je te dis, là. T'sais, c'est pas... pour les... C'est ça. Pour ceux qui ont des croyances encore, là, ben poussé là, qui tiennent, ils aiment pas ben hors matrice.
C'est ça, parce qu'il y en a qui croient à des choses bien précises. C'est ça. Puis, juste le fait t'es tout le temps, je vais toujours repousser tes limites, mais il y en a qui te font pas aussi, parce que tu remets tout le temps, c'est-tu la bonne idée que j'ai eue? C'est-tu vraiment ça? Là, c'est soit que tu as des confirmations, ou tu es comme, oh shit, je me pose, je me suis fait peut-être avoir, ou, tu sais. Poser des questions. C'est ça. Parce que, qu'est-ce que j'ai dit dans les émissions? Pour te poser des questions, c'est déjà signe d'intelligence. Parce que là, tu te poses des questions. Tu n'es pas un portail organique, tu te poses des questions. En partant, c'est le fun, tu es vraiment un vrai joueur. Puis on sait que l'incarnation ne peut plus. Fait que tu fasses le switch là, ou à ton décès, on s'en fout, là, on était pris en charge. C'est ça qui est vraiment top, trop pour certains, là. C'est comme, ben oui, pour qui tu te prends pour dire ça? Ben, nous-mêmes, toi, moi, mais c'est ça. Ah non, tu peux pas être sûr, jamais. C'est ça, à moins d'être, de l'avoir vécu, puis tu d'être sûr. Puis c'est ça. Puis c'est juste ça. C'est pas compliqué, t'as même pas, c'est ça, d'explication à donner. C'est, il faut que tu le vives. Mais là, qu'est-ce que je dis là? L'année passée, je disais d'autres choses. Puis, là, 3 ans ou 4 ans, je disais d'autres choses. Puis, pourtant, là, 4 ans, j'avais fait mon affaire de avec l'ajusteur de pensée pareil. Sauf que, c'est ça, là. En réalité, là, tout ce que Bernard de Montréal puis Daniel Kemp dit, on le vit. C'est pas dans 15 ans ou dans 20 ans, la future génération. Non, tu sais. Non, on l'est, là. On vit, là. Moi, je le vis, là. C'est ça. Moi, j'ai de la misère encore. Ouais, c'est une illusion d'avoir de la misère. C'est une illusion. C'est ta conscience qui pense que c'est difficile et que tu as de la misère. Mm-hmm. C'est ça. C'est la partie matricielle encore en toi qui t'empêche. Tout le temps ça. Elle est vicieuse, la tabaslac. Elle est vicieuse. Ah ouais. Puis elle veut s'imposer. Mm-hmm. Puis c'est. Tu sais, quand je dis c'est ici, l'ego, c'est la matrice. L'ego, c'est la matrice. C'est ça. Mm-hmm. Tu sais, après, c'est la pêche. C'est beaucoup plus que ça, je pense. Oui, mais toi, tu te fais contrôler, tu es affecté, ouais. C'est ton point faible. C'est ça, parce que tu te crois. C'est ton point faible. Mm-hmm. Tu sais. C'est facile, comment je vais dire ça, d'aborder ça avec moindrement un quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Comme là, toi, tu es un initié, puis tu es, sans le réaliser, un fils de la lumière. Parce que nombre de fois que tu me répondais par mes propres... ma réponse, je fais « Ok, ben là, c'est quand tu passes à l'émission. » Et tu l'as. C'est comme... Oh, ah, j'ai donné... T'as-tu pensé? Une façon non. De penser, je pense. Et c'est ça. Elle est transformée, là. Là, la réponse, « Hey, t'as-tu cherché loin? » Non, c'est le premier mot qui est venu. Mais et voilà, là. Cherche pas plus loin. Mais arrête de te sous-estimer dans le sens, gars, t'es donne tes réponses. Fait que t'as rien à aller chercher sur ton matrice. T'as rien à aller chercher dans ta chaîne. C'est pour rassurer le personnage, l'aider. C'est intelligent, parfait. Mais c'est en dedans de toi, tu vas toujours confirmer. C'est pour ça qu'on vient d'affaires, je dis portail. Ouais, mais moi, au début, portail organique, j'ai dit, ouais, il n'y a pas 50% du monde qui c'est pas du vrai monde. Ils ont accouché, ils ont vu la même affaire que nous autres. Je comprenais pas, là. Mais ça, on ne sait pas encore non plus. Même là, moi, j'ai été... Peut-être qu'à certains niveaux, tu sais. Encore, tu sais, je veux dire... C'est qu'il n'y ait pas d'intelligence à l'intérieur, j'ai fait, ah! Oh. Parce que je voyais bien que 50% du monde, souvent, ben, ils ne se remettent pas en question. Je vais aller encore voter. Ouais, ok, mais ça ne change rien, là, je sais, là. Mais c'est le système au complet. C'est le système au complet. T'sais, faut que tu annules ton vote, peut-être. Ah! Plus intelligent, peut-être, la prochaine étape. C'est ça. Parce qu'on le sait, moi, je ne voulais pas voter, les ignorer. C'est de baisse, t'es ignore. Sauf que eux autres, c'est ça, ils peuvent l'utiliser. Ouais. Le quand t'as pas voté, ils peuvent l'utiliser, apparemment. Et puis encore là, par anticipation, ça a l'air par anticipation, ils peuvent pas te le voler, là, c'est plus safe par anticipation. Mais moi, je veux pas voter sur un système que c'est tout des pas bons. Je veux même pas donner, parce que tu donnes ton approbation. Hein.
Tu donnes ton information. Ah, mais le moins pire des crosseurs. Non, on n'en veut plus de crosseurs. On n'en veut plus de ce système-là. Fait qu'à part d'annuler mon vote. Parce qu'au début, je dis non, je l'ignore. Comme de fait, non, mais ils peuvent le réutiliser puis le manipuler. C'est ça qui est plate. Et je parle d'élection parce que là, cet automne, il va en avoir au Québec, apparemment. Il va en avoir une meilleure des nôtres. C'est encore toutes les truqués, dupés. Hein. C'est... J'ai des gros doutes, hein, sur la démocratie, là. Et là. C'est parce que le monde ne se rend pas compte, là, ça qui arrive. Ben, il y a 50% du monde qui ne s'en rendront jamais compte. Parce qu'ils suivent leur programmation matricielle, il n'y a jamais d'intelligence, d'énergie de la source. Fait que là, si on. Eux autres, là, ils vont toujours marcher avec. Ah, il y a encore 51% ou 55%, tu sais, 5% d'endormis, là. Ah, on a encore une majorité imaginaire, fait qu'ils poursuivent leur système. C'est ça qui est tannant. C'est pour ça que je. Là, ça c'est un ou l'autre, tu sais. Même si tu votes pour l'autre, tu sais. Ben, c'est la même affaire. C'est comme dans les Simpsons avec les deux extraterrestres, là. Ben oui, ces deux extraterrestres, ils prennent l'apparence humaine, mais que tu votes un pour l'autre, démocrate ou républicain, c'est la même affaire. C'est ça, c'est la même chose. Fait que. C'est ça. Mais il va y avoir. Encore un peu de changement dans la matrice, dans le sens des événements des guignols. Ils vont encore vouloir faire des moves, mais d'après moi, là, c'est tellement ridicule. Là. Tellement. Là, ils pourront plus remettre le masque. Là, le monde, ils ont goûté pas de masque. Là. Et le masque, là, ils pourront pas remettre ça. Là. Ça va chialer. Ça me fait penser quand on voulait essayer de mettre le masque dehors. Hey! Et là, tout d'un coup, ça n'a pas marché. Ben là, wow, là, le monde, c'est gabé. Ben là, à un moment donné, c'est ça. Ils ont poussé, ils ont tiré l'élastique un petit peu trop loin. Là. Fait que j'imagine que c'est ça qui va arriver. Ils ne pourront plus le remettre là, débilement, là, avec des flèches à terre. Puis de... hey, le cossin de Purel, là, il est dégueulasse. Il dégouline comme le. Ah, oh, puis il est tout collé. Oh, je te dis, c'est épais, tu chasses leur bébelle souvent, que lave-toi les mains avant d'y aller, c'est tout. C'est le système automatique. Ouais, c'est ça, puis encore là. Lave-toi les mains, c'est Purel, là, c'est d'alcool, puis plein de cochonneries, je sais pas. Ah non, ça, c'est pas juste pour le bien, ça, malheureusement. Bon, mais il y en a qui ont des mains sales, réellement, là, c'est sûr, mais tu sais. Moi, j'aime ça, regarde, il est là, si t'es mal pris, peut-être un jour, je vais en avoir besoin, je vais être bien content, tu sais. C'est là, ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Mais pas l'obliger, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est ça? T'es malade? Tu peux mettre ton masque? T'es malade? J'ai dit, là, je suis obligé d'aller au dépanneur, j'ai dit, là, je suis malade, je vais rester chez nous, tu peux mettre un masque. Et il dit, ça va pas? Non, ça va pas. Il a gagné son masque. On a compris en tabarnak. Non, mais tiens, ok, c'est correct. Non, c'est beau. Moi, fais attention. Ben, c'est ça. C'est ça. La grippe est mauvaise cette année, apparemment? Je sais pas. Ah, moi, je pensais que tu le savais. Tu l'as pas vu assez? Ah, ben, on va voir, je pense. Le... Il est allé. Grippe spéciale. Ah, ok, c'est ça. Elle était mauvaise. Ouais, pendant une journée. Une bonne pleure, ouais, ça s'est étiré un peu, mais. C'est ça. C'est ça. À un moment donné, t'as la grippe, tu l'as pas. Après 5-6 ans, tu l'as une fois plus forte. C'est après, tu sais. Il y a des sortes de grippe aussi. Ben, c'est ça. C'est tout des virus. Puis. Si à un moment donné. Ça oblige le repos. Ça oblige le repos. Moi, c'est ça. Ça oblige le repos. Parce que, tu sais, on va pas parler de ça, mais c'est pas les gastro aussi, c'est bien fort. Ah, oh, mais c'est un mix. Mais là, il peut dire ça, monsieur DJ, on lui est pas en face, n'importe trouble. Mais qu'est-ce qu'il sait pas dans un an, s'il paraît, les vieux vidéos vont être encore là, on va le savoir. Pense à long terme. Pense à long terme. Alors, moi, tant que YouTube me poussera pas à l'extérieur comme Gilles Belle-Rose, là. Fermer sa chaîne là, deux fois, ou trois fois, plutôt deux, en tout cas. Et c'est ça, c'est plat. C'était allé rough. Ouais, il était rough dans le mauvais temps, on dirait.
Moi, j'ai deux, trois vidéos, moi aussi, controversées. Tu as parlé des sujets tabous. Ben, moi aussi, j'ai deux, trois vidéos, sujets très, très tabous, mais ça a passé. J'ai pas encore 1000 abonnés, c'est ça, là. Je te dis, sur YouTube, quand t'as pas 1000 abonnés, t'existes pas. C'est beaucoup, ben compliqué. Hey, là, j'ai des pubs, là. Des pubs sur mes propres vidéos, là. Hey, ça, là, je commence à être tanné, là, ça revient, là, une fois sur deux, là, facile, là. Puis, à la fin... Je n'ai pas ni une, un autre, au début et à la fin. Hey, là, mes tabarouettes, là. Fait que, crée-moi, là, j'ai hâte de les avoir mes 1000 abonnés parce que, tu sais, arrêtez, là. Puis je te dis, là, je te dis, ils devraient donner, là. Hey, c'est nous autres qui produisent, c'est nous autres qui fait le contenu. Je dis pas 50%, mais 5%. Vrai, là, c'est du 0,1%, là, sérieux, là. Ou du 1%, c'est du ridicule. Oh oui, c'est ridicule, là. Après 6 mois, t'as 10$ par la malle, là, ouais. Ils attendent minimum un 25, je sais pas, là. Ah, c'est pas. Ça vaut-tu tout quelque chose aussi, tu sais, je veux dire, ça vaut combien, tu sais, c'est dur à évaluer. C'est dur à évaluer, c'est sûr, mais eux autres, c'est parce que c'est le pourcentage. C'est pas moi à déterminer combien ça vaut. Eux autres le savent bien plus. Mais ils donnent 1%, mais ils donnent même pas 1%. Là, t'sais, c'est pour ça que je parlais de 5%, là, commande. Là. T'sais, c'est ça. T'sais, tu fais le contenu, franchement. Je trouve ça un petit peu radin. Mais tu regarde, Facebook, ils ne donnent rien. C'est ça. Y a-tu d'autres plateformes ben, que. Il n'y a pas de publicité. Ouais, c'est vrai, ça. Il y a moins, beaucoup moins. Ouais, c'est vrai. Je ne suis pas ben Facebook, je ne pourrais pas te dire. Mais c'est vrai, habituellement, il n'y a pas de publicité. Il y a ça. C'est vrai, ça. Il n'y a pas de publicité. Parce qu'il y a juste cette plateforme-là, là, qui a de la publicité en réalité. Rumble, ces affaires-là, il y en a-tu? Je sais pas. Je connais pas bien ça. Bon, moi, je suis jamais là-dessus. C'est compliqué. Puis, même Odyssey, là, il est laid, là, des fois. Là, puis... Non, c'est ça. Bref. Ouais, c'est ça. 100e déjà. Incroyable. Et là, moi, je vois de la misère à toffer les émissions à tous les deux jours. Là. Avec tout le. C'est ça, là. Oh, oui. C'est pour ça que peut-être ça va être en trois jours ou flash vidéo ou quelque chose parce que. Il a. Ça va juste mettre des extraits. Hein, ben, c'est sûr que. Comme la dernière fois, là, j'avais fait ça, là. J'avais fait Yvan, je pense, là, quatre vidéos, là. J'avais travaillé, là. J'avais même ça dans les actualités, j'avais coupé ça, j'avais pris le temps de faire une vidéo, une 15 ou 20 minutes. Puis, je travaillais pas, j'étais entre deux, il faisait trop beau, j'ai dit « Ah, je vais dire, je fais ça aussi, j'ai fait une actualité devant mes tulipes. » Moi, ouais, j'ai deux émissions devant les tulipes, une émission régulière et une actualité, je pense. Fait que c'est ça, nous autres, on va poursuivre notre discussion en écoutant « Hors Matrice ». Qu'est-ce que t'en dis? On va écouter Hors Matrice ben sur l'autre écran géant. Écouter des vidéos. On va écouter une autre vidéo. Ben oui, c'est comme ça. Fait que, veux-tu saluer le monde, monsieur DJ? Ah oui, c'est ceci qui termine le beau vidéo. Le vidéo centième, improvisé. Vidéo, vidéo cachée. Vidéo cachée. Ah, je te dis, le monde aime ça. Qu'est-ce qui se passe en arrière? Qu'est-ce que vous me faites l'avant? Qu'est-ce que vous dites après? Non, non, non. C'est un peu Richard Glenn, là, lui, il est bon pour ça. Il combien de fois je l'ai vu à l'extérieur? Ils sont une gang, là, puis ils jasent. Là, ils sont 2-3 heures, la caméra, hello, ils font juste jaser. Puis c'est ça, ils oublient. Ils oublient la caméra, là, puis là, les sujets, là, tabarouette, ça va par là. Fait que. En tout cas. Tout le monde, de quoi. Ouais, c'est ça. Puis des fois, c'est. Oh, mais regarde, c'est cet aspect-là que moi j'avais pas. Puis plus que de monde différent, mais plus qu'on couvre large. Et que nous sommes ici pour unir cette chaîne. Alors, je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Nous allons quitter pour l'écoute d'une émission que je connais bien. Alors, à la prochaine. Au revoir. Cher ami, à la prochaine. Au revoir à tout le monde. Au revoir.